ifene menu ije oya tekwe kwa mume chane mekwe me na kwa shala oya tekwe kwa kuko arue melanu ehu oya tekwe kwa mume akwano bodo akwa shala na kwa shala oya tekwe kwa kuko iyo iyo ije oya tekwe kwa mume akwa shala na odihu na kwa shala oya tekwe kwa kuko kwe pulo me ehu oya tekwe kwa mume iyo iyo kuko na kwa shala oya tekwe kwa kuko mshane menuo ije oya tekwe kwa mume amaro ije lavu na kwa shala oya tekwe kwa kuko Christess don't fall in love ehu oya tekwe kwa mume love wanu ongo kwa roke na kwa shala oya tekwe kwa Lande de qualifa Ije Oya tekwe kwa mume Mpitine kwe 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 Na kwa shala oya tekwe kwa kuko Bonjour maman Je m'appelle Afame Fuma. En quoi puis-je t'aider? Je suis en train de chercher une femme qui a mis une robe blanche et tête vide. Elle est de taille moyenne. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Non, non, maman, ce n'est absolument rien. C'est juste que je veux une petite acquaintance avec elle, rien de plus. Ok, prends cette route. Quand tu arrives au carrefour, tu prends le côté droit. D'accord. Tu continues d'avancer. Tu avances jusqu'à la fin et prends pas une autre direction. Ok. Quand tu arriveras au fond, tu la verras. Très bien, maman, merci, merci beaucoup, maman, merci. Merci, maman. Mais selon elle, je devrais m'arrêter ici. Mais où irais-je encore, hein? Mais qu'à cela ne tienne, je devrais aller chercher ce que je suis en train de voir. Je dois aller chercher quelque chose très rapidement. Porte-toi bien. Ezengwani dacha Ezengwani la grande chose suprême Ezengwani dacha Ezengwani la puissante voyante Ezengwani dacha Ezengwani dimbiri Ezengwani dacha Nous vous saluons Noma. Oh mon Dieu, comment oses-tu? Oh mon Dieu, tu es très très jolie. Je ne pouvais pas résister vis-à-vis de ta beauté, je t'ai suivi. Comment oses-tu entrer dans la sainte demeure des Oyanchala sans pour autant enlever tes chaussures? Saisissez-les! Non, je ne savais pas! Je ne savais pas, pardonnez-moi, je ne savais pas que c'était un sanctuaire! Je ne savais pas que c'était un sanctuaire, je ne savais pas, pardonnez-moi, je ne savais pas! Je ne savais pas que c'était un sanctuaire, laissez-moi partir, je ne savais comment pas! Oses-tu? Je ne savais pas, comment oses-tu mettre ses pieds? Dans ma sainte demeure, sans pour autant enlever ses chaussures. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Non, pas vrai. Et ce garçon a fait ce que personne n'a jamais fait sur notre terre. Ceci est un très grand amour et une insulte venue de notre terre. Il mérite d'être
égorgé. La coutume nous le recommande. Toi, celui qui foulera ses pieds dans les sanctuaires de notre grande Aguachala, sans avoir enlevé ses chaussures, sera égorgé. Point final. Écoute, Emeka. Honnêtement, ces garçons en question méritent d'être pendus. Et cela doit servir comme un exemple à tout autre étranger qui agira comme lui, avant de désobéir à la coutume et tradition de la terre. Ainsi, nous devons faire le nécessaire. Est-ce que tu me comprends? Avec un effet immédiat. Mieux vaut tard que jamais. Bienvenue les grands anciens de Aguachala. Bienvenue au grand sanctuaire de Aguachala. Puisque vous trouvez ce que vous cherchez. Merci. Noma. La plus grande prêtresse de notre temps. Nous sommes ici en respect, en respect de l'offense commise par cet étranger. Exactement, Noma. Je connais déjà votre décision. Vous devez savoir que je ne le soutiens pas du tout. Il ne peut pas être décapité. Mais Noma, notre tradition dit que quiconque commettra cette offense sera pendu. Tu parles de quoi encore? Si je parlais, je suis la prêtresse et la multirythme de Dieu. J'ai toujours communié avec les dieux avant de prendre une quelconque décision. J'ai plaidé à son sujet. Pardonnez-le, il ne sera pas décapité. Mais il lui sera donné un avertissement pour cause de son ignorance. Après quoi, il sera mis en liberté. Mais Noma, ce n'est pas de cette manière que nous réglons nos affaires. Quiconque commet ce mauvais acte, cette personne sera pendue. Il est supposé... Ainsi j'ai parlé. Il sera mis en garde et après, il va être libéré. Tu étais supposé être décapité.
Mais j'ai prié à ton sujet. Mon Dieu. C'est quel genre de rêve c'est ici? Et ce n'est pas possible. Jésus. Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? Jésus. Hey. Comment est-ce que cela m'est arrivé? Ce n'est pas... Mon cher, ça c'est vraiment sérieux. Attends. Tu as dit que tu te réveillais de ton sommeil brusquement, tu as vu ceci? Ce qui est arrivé, est arrivé. Ce qui est arrivé, hein? Le problème, c'est que je... Quand je me suis réveillé, je ne veux pas vraiment sentir quelque chose comme une douleur, comme si j'étais attaqué. Et quand j'avais essayé de me lever, je me suis regardé, j'ai trouvé qu'il y avait une blessure sur mon bras. Et voilà ce que c'est. Mais bon, voyons, je ne suis pas inquiet. Je sais qu'un jour ça va se cicatriser. Je comprends un peu. Tu t'amuses, mon cher. Écoute, il te faut vite aller à l'hôpital voir les docteurs pour faire le test de ceci. Bien sûr, te donner un traitement approprié. Tu es en train d'essayer de m'effrayer, hein? Oh, voyons, mon cher, tu essaies de m'effrayer. Ce n'est absolument rien. Alors écoute, j'apprécie ton conseil, mais ça, ce n'est absolument rien. Ça va se résoudre dans très peu de temps. C'est juste un peu de médicament qui pourra résoudre la situation, ce que je comprends un peu. Alors arrête de paniquer. Hein? D'accord. Comme tu l'as dit alors, j'ai appelé, mais ton téléphone était injoignable, alors je me suis décidé de venir te voir. Ça me rappelle des choses. Et tu sais, je m'étais décidé de me taire pour que tout ceci me soit arrivé. Je voulais vraiment revenir sur mes deux pieds, hein. Cherchant aussi à m'étendre des choses, une très petite chose, je crois que ça va aller. Tu es un homme fort, oui, c'est vraiment mais ça, laisse-moi t'y croire. Ah, tu sais, mec, c'est une très petite affaire. Oui, je suis toujours à la recherche de la vie. Non, je vois, c'est ça un homme. C'est comme ça la vie. Raison, il faut se battre cher, pour la stabilité de la vie. Baby! Oh, salut chérie. Salut chérie, ça va? Tu te fous? Oh, ok. C'est comme si tu sortais. Oui, je devais aller chercher quelque chose pour la maison. Oh, alors chérie, tu parles. Oh mon Dieu! Bébé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très petite blessure, c'est absolument rien. Alors, comment tu vas? Oh, mais bébé, pourquoi tu ne m'as pas parlé au téléphone? Juste à cause de ça? C'est des résidus de comme toutes les autres, mais sur ça, c'est ce qu'on a fait de soi-même. Tu sais quoi? Nous allons voir un docteur. Allons voir un docteur maintenant. À cause de ça? Allons voir un docteur, si c'est trop. À cause de ça? Non, apaise-toi. Donc je vais aller voir un docteur, je te cause de cette blessure. Bébé, allons. Non, mais dis-moi que tu blagues. Mais allons à l'hôpital, s'il te plaît, bébé, allons-y. Non, absolument pas. Bébé, j'insiste, allons à l'hôpital, s'il te plaît. Oui, allons-y. Tu blagues avec moi, mais non? Oh non. Allons-y. Alors, nous allons prendre ton propre véhicule parce que c'est toi qui m'as proposé d'aller voir un médecin juste à cause de cette petite égratignure. Qu'est-ce que ça a à voir avec un traitement médical? Que tu te rejouis. Juste à cause de cette petite égratignure. Oh, mec. Oui, monsieur. S'il te plaît, quand le peintre aura fini, donne-lui quelque chose à manger, d'accord? Ok, monsieur. Alors, si l'autre personne venait me chercher, demande-lui de m'appeler au téléphone. Ok, monsieur. Ah, famille Funa, j'ai bon jugé que tu ne viennes pas avec ta fiancée pour pouvoir discuter de ceci, mes deux. Et je suis vraiment très sûr que tu as une réponse à cela. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes amis. Et arriver à te demander que ma fiancée ne soit pas ici présente, cela signifie que je veux que cette conversation soit privée. C'est bien. Montre-moi ton bras. Ça, c'est sérieux.
Je l'ai vu que quand je me suis levé du lit. Minute, tu veux dire que tu t'es réveillé de ton sommeil et tu as trouvé cette plaie en réalité? Docteur, et je t'ai dit que j'étais allé dormir sain et sauf. Et juste au moment où je me réveille, j'ai pu voir ça sur ma peau. Non, non, attends d'abord. La fille que tu avais vue dans ton rêve. Je veux dire, la fille qui t'est suivie, est-ce qu'en réalité tu la connais? Je n'ai jamais posé mes yeux sur cette fille avant. Mais une chose est certaine, docteur, et cette fille est extrêmement belle. Et cette fille, en tout cas, tu dois la voir parce qu'elle est extrêmement mise dans le rêve. Et c'est pour elle qu'elle soit pourvue de certains pouvoirs spirituels. Pouvoir? Bien sûr. J'ai peur, je pense que c'est un problème spirituel. Ah, docteur, qu'est-ce que tu sais de me raconter? Docteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux seulement m'aider à résoudre ce problème, s'il te plaît? Ça, c'est un très petit problème. Sonne-moi, je vais rentrer à la maison. Non, je ne te fais pas peur. Mais écoute, un problème spirituel est profond que tu ne peux imaginer. Physiquement, ça se voit que c'est un simple cas. Mais spirituellement, c'est un problème très grave. Enfin, tu sais que j'ai été ton docteur depuis très longtemps et je ne peux pas te décevoir. Je veux que tu sois en bonne santé. C'est la raison pour laquelle je suis assis ici et je t'assure. Ta santé me concerne. Fais seulement ce que je t'ai dit. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Cherche la solution spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je trouve une solution pareille? S'il te plaît, docteur, je voudrais te demander quelque chose. Et tu vois, tout ce que nous avons abordé comme question dans ce livre aussi. Alors, je veux que tu le gardes secret par rapport à ma fiancée. Et tu sais très bien que je ne pourrais pas vraiment reprimander cette femme que je vis dans mon rêve. Et je ne voudrais pas qu'elle sache. Afam, ce qui est bon dans cette profession est que nous avons la capacité de garder le secret. Pour elle, elle n'entendra jamais ceci, ok? Donc relax, voyons comment on peut gérer ceci. Cependant, je t'ai prescrit quelques médicaments. Tu vas aller à la pharmacie les chercher, ok? Bébé, c'est quoi le problème? Je t'ai dit que la nourriture était prête et tu n'as pas encore mangé. Qu'est-ce qu'il y a? Après. Ah, tu n'as pas faim, mais je suis sûre que tu iras manger plus tard. Bébé, je suis bouleversée. Qu'est-ce que signifie ce que le docteur avait fait? Genre, il ne voulait pas que j'aille ensemble avec toi dans son bureau. Pourquoi? Je suis vraiment désolée, mais je crois qu'il voulait garder la conversation secrète vu le règlement de l'hôpital, d'accord? Mais c'est bien, je me souviens que ça n'arrive pas. Bébé, je ne crois pas du tout à ce que tu me dis. Sérieusement pas. Je suis ta femme à devenir et le docteur est au courant de ça. Et il est ton docteur privé il y a des années maintenant. Alors, il y a une chose que tu ne m'as pas dit. Oui, tu me caches. C'est bon, je promets que ça ne va plus arriver. Je veux vraiment m'assurer que ça ne va plus arriver. Eh bien, ça va. Allons maintenant à l'intérieur pour que tu manges ta nourriture. Non, 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 s'il te plaît, je n'ai pas d'appétit. Bébé, tu dois manger, t'inquiète, je vais te nourrir. Allons-y. Allons-y. Grande sœur. Amy. Bon après-midi. Bon après-midi, Amy. Amy, espérons que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, s'il te plaît, dis-moi que je n'ai pas heureuse de voir ton frère. Ah, d'accord, sans le bureau. Mais je suis surprise que tu sois rentrée. Ok, je vois. On est en vacances. Oh, vraiment? Ma sœur, est-ce qu'il y a à manger à la maison? J'ai très, très, très faim. Je ne comprends pas. À peine que tu viens d'arriver et tu parles de la nourriture. S'il te plaît, lève-toi et va préparer, s'il te plaît. Écoute, maintenant que tu es là, tu vas t'occuper de toutes choses. La cuisine, donc toutes choses. D'ailleurs, il y a plusieurs travaux ménagers qui t'attendent si tu ne te pas. Hey, grande sœur. S'il te plaît, va à la cuisine. Pour une fois, respecte ton frère. Et je viens de l'école. Regarde-toi, un vieil homme comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours enfant? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, salut, bébé.
Oh, merci. Ma chérie, mon bébé, oh, je vais bien. Tu es belle, ma chérie. Et tu brilles. Merci. Wow, ton frère est en train de grandir aussi vite. Qu'est-ce qui est à la base? Mon argent. Oui, ces garçons bouffent mon argent comme si... Ah, regarde ce qu'il parle. Tu es même chanceuse d'avoir un petit frère qui te dérange. J'aurais souhaité avoir des gars qui me dérangent comme ça parce que je suis la seule fille de mes parents. Mm-hmm. Et je n'ai pas quelqu'un qui me dérange et qui m'embête comme ça. Mm-hmm. Ma chère, ne te précipite pas, calme-toi. Tu as raison. Ah, je me souviens de quelque chose. As-tu le nom de Afa Mifunda? Il a connu un accident, malheureusement. Un accident? Oh non, ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de grave. Juste une petite blessure sur sa main. Oui, ce n'est pas très grave. Ne t'inquiète pas, je te connais. Ne t'inquiète pas, il va se rétablir, ok? Oh, désolée pour ça. Merci, ma chérie. Je suis désolée. Ah, ok, de toutes les façons, je suis là maintenant et je me suis dit que tu as envie. Alors, va là-bas, prépare-moi un gros poulet et du riz de pêche. Je ne peux pas attendre de dévorer la nourriture. Est-ce que tu Je ne comprends pas, oh. Tu te comportes actuellement comme Emeka, comme si tu l'as planifié avec mon frère. Madame, tu n'es pas une visiteuse. Allons-y, dans la cuisine. Va rejoindre Emeka. Je suis venue pour manger. Ma chère, je risque de manger ta part si tu ne manges pas. Afam. Oui. Afam. Maman. Pourquoi tu caches ta main? Maman, ce n'est rien, je vais bien, d'accord? Ça va. Montre. Tu es devenu handicapé? Allez, montre-moi ça. Tineb, qu'est-ce que c'est? Juste une petite blessure, je crois que dans peu de temps ça va aller, d'accord? Ah ah, mon fils, ce signe, je le trouve vraiment étrange. Ce signe ne me plaît pas du tout. Dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est? Maman, j'ai dit que ça c'est juste une petite blessure. Et qu'est-ce que ça va avec Adélie, une petite blessure comme celle-ci? Et tu sais que je n'aime pas aller dans son sang. Tu vois, ça c'est juste une petite blessure. Après, maman, ça va se cicatriser. Tu peux pas arrêter. Hein? Ce sont ces mêmes signes qui ont tué ton père. Je suis adulte. Et je sais de quoi je parle. Ce n'est pas des gratuits, non. C'est comme si on était l'ami ou t'es l'ami. Pardon, je sais de quoi je parle. Bienvenue, la veuve du grand dauphin Okeke Maganazo. Le puissant Okeke Maganazo, le petit-fils du royaume de Tumabulueni. Bienvenue. Maman, tu as entendu ce qu'il a dit? Oh! Ambeko, ambeko. Mbeko abulanya, kunase. Ambeko atuasa, abulanya, iye. Serele mosi mogili. Akwa maja adresia wabalanture ebo nye nekayako. Obo kalete. Obo yasema bono yambili. Osofu. Abo wakuko noze. Ijo mwaba lola. Obo. Ijo chele ni unto. Mwaba sele ni unto. Mwaba kelunde. Afana mwe bwalani. Galafana tutiako. Mon fils. T'as déjà demandé. Pourquoi? Les gens ont peur de Oki. Un petit oiseau. Dans cet état causé par tes actes d'ignorance, la fille, la prêtresse, a changé la décision qu'on utilisait pour pendre par le grand ancien et les hommes forts du royaume d'Abotchala. Abotchala, l'ancien roi d'Abunyana, il a gardé cette mesure depuis cette époque. Quiconque sera frappé de cette mesure peut être guéri de la même mesure de ce sanctuaire. Cherche la prêtresse. Fais ce qu'elle va te dire pour te libérer de cette peine. Et je dis bien. Et comment si tu as parlé de la fille et tout ce qui s'était passé? Maman, tout ce qu'il a pu raconter ici et va de pair avec mon rêve. Juste seulement un seul œil me peut voir très bien, loin jusqu'au-delà. Même si tu possédais 1000 yeux,
pose encore plus de questions pour que tu trouves la solution laquelle tu es venu chercher. Et je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci, Angela. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu fait ça? Depuis qu'on est rentré du sanctuaire de Guadeloupe, tu n'as rien dit de ce qui s'est passé. Et tu n'as rien mangé. Ifeme Fuma, pourquoi tu me fais ça? Ou soit tu veux me voir mourir pour toi? Maman, je dois déjà me retrouver dans la cité de la grande matinée. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. En fait, rien n'a plus de sens. Non, absolument rien. Mes amis n'ont plus de valeur. Ma fiancée n'a plus de valeur. Même mon diable de l'héritier professionnel n'a plus de valeur. En fait, maman, comment peux-je rester dans ce village juste parce que j'ai besoin de la solution à cette petite blessure? Hein? Juste à cause de ces suspicions. Quelque chose que je peux très facilement amener à l'hôpital. Il suffit d'un très bon médicament pour mettre fin à ceci. Maman, tu sais que cette paix est en train de s'infecter juste parce que je n'ai pas encore amené chez un médecin pas très facilement prendre soin de ça. Maman, je ne vais pas rester dans cette condition pour pouvoir m'enlever. Pourquoi aimes-tu ton foudre? Pourquoi tu t'en fous toujours? Ton père t'a donné le nom de Afanifou. Alors pour que cette lignée ne disparaisse pas. Cela n'arrivera pas juste à cause de cette blessure. Je vais la traiter, ça va aller. À cause de ta tétudesse, tu veux que la lignée de ton père disparaisse. La même chose que tu avais faite quand je t'ai demandé de vendre toutes les parcelles que ton père t'avait laissées. Oudjou. Maintenant, je continue à me battre tous les jours. Tous les jours, je dois aller comme ça, je dois rentrer comme ça. Maman, tu sais, si cette terre était vraiment le problème, tu m'aurais dit comme ça. On allait facilement résoudre ces problèmes. Aussitôt que je me serais rendu en ville, je vais renvoyer les gens pour venir régler ces problèmes. Efame Fuma, pardon. Laisse que nous partions chercher le prêtre. C'est alors que ces histoires vont nous quitter, pardon. Maman, tu continues toujours à répéter ce problème. J'ai pensé que c'était la terre qui était le souci. Mais j'ai plutôt accepté de résoudre le problème. Maman, s'il te plaît, arrête avec cette affaire. Et j'espère que j'aille voir une prêtresse que je ne connais même pas. Et ça n'a pas de sens pour moi. Je dois retourner à ma vie, s'il te plaît. Ta vie est moins importante pour moi? Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu dis là? Maman, s'il te plaît, je ne vais pas faire ce que tu me demandes. J'en ai déjà marre. Ah! Regarde, le pire de tous ces côtés, c'est que ma maman a accepté tout ce que le docteur m'avait dit. Tout ce que ce médecin traditionnel m'avait dit. Ma maman avait accepté cela, mais ça n'a pas de sens pour moi. Attends. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre, Afam? C'est toi qui m'as dit que le voyant t'avait cité tout ce que tu avais rêvé dans ton rêve. Exactement comme tu le voyais. Mais c'est quoi, mon cher? Comment est-ce que tu veux encore être convaincu? Tu parles aussi comme si tu as accepté ce que ce médecin te dit, n'est-ce pas? Mon pote, regarde un peu ton bras. Ça s'empire. Les jours au lendemain. Donc, allez-y comprendre, fais quelque chose pour ceci. Ou soit, si ça ne te dérange pas, je peux aller t'accompagner. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà entendu parler de Apache? Non. Est-ce que tu sais où est-ce que je vais la trouver? Bien sûr, non. Alors pourquoi est-ce que tu m'encourages à chercher une femme mystérieuse, une femme que j'ai vue en songe, une femme dont je ne suis même pas sûr de la distance? Mais est-ce que ça a du sens? D'accord, mais du fait que Sedibia a cité les noms du village, là où cette dame... Là où elle se trouve, ça existe. Donc, s'il te plaît, mon pote... Sois rapide et fais quelque chose en tout cas. S'il te plaît. Et tu sais, mais je me sens trop bien à notre tissu. Il y a une forte sensation de douleur qui augmente avec cette blessure. Et je n'arrive même pas à maîtriser la douleur. Et même si je devrais aller à cette recherche ou ce voyage, je dois t'amener dans tous ces symptômes. Je ne veux pas que tu risques ta vie à cause de moi. Mais aussi, je voudrais te supplier pour quelque chose. Est-ce que tu peux garder tout ce que je t'ai raconté autour de cette affaire scellée? C'est sûr, mon pote. Je suis touché de tout ce que tu dis.
Regarde-les de telle sorte que ma fiancée et tout ce qui m'appartient ne sache rien de ça. Sois sûr qu'elle ne saura rien. Attends, bien sûr que oui. Tu vois ce que tu fais. Ok, allez. Oh, ok. Attends, ça. Oh. Tu sais, c'est très difficile. Hein? Bébé. Ok, je vais finir, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un rêve. Mais attendez, serait-ce possible qu'un si beau rêve se termine par l'attaque d'une personne que je n'arrive pas à reconnaître? Cet homme a poussé et qui m'est fou loin de moi. Non, 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 ce n'est pas possible. Je sais qu'Afuna m'aime beaucoup et je l'aime aussi. Et d'ailleurs, il peut mourir pour moi. Ah. Wow, il est minuit. Ah, je dois y aller. Ah, bébé, je suis désolée, ok? Je suis désolée, je n'ai pas pu venir te voir lorsque tu étais rentrée du village. J'étais tellement occupée. Comment va maman? Et tu sais, te demander était une préoccupation. Elle pensait bien que tu allais venir avec mon village. Oh, vraiment? C'est merveilleux. Bébé, ses bras sont en train de s'empirer. Je pense qu'on doit voir mon docteur. Allons voir mon docteur. Je pense que c'est juste que ça a été infecté. Pendant très peu de temps, ça va sécher. Hein? Oh, d'accord, on peut juste accorder à ces notions quelques secondes. Non, bébé. Nous devons voir mon docteur. Je veux que tu ailles mieux. Chut, laisse-moi gérer ça, ça va aller. Mm-hmm, tu m'as manqué. Toi également. Tu m'as manqué. Je vais te faire ça. Alors, as-tu mangé? Non, je vais préparer ta préférée, la sauce amère. La sauce amère. D'accord, bébé. Non! 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 Ne fais pas ça! Non! 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 Ne fais pas! Non! 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 Je suis comme ça,
Je pense que nous devrions normalement continuer à parler de ce point. Oui, elle était vraiment surprise de la somme d'argent qu'elle avait reçue. Et je suis très émue parce qu'elle était vraiment contente. Alors, s'il te plaît, je te remercie pour ça. Tu as vraiment changé les cours de la vie de cette dame. Et ce n'est pas un problème. Je serai de retour à la vie. Ok, je prends bien soin de vous. Non. Comment? Quand j'étais à l'intérieur, j'ai entendu quelqu'un qui pleurait comme s'il avait très mal. Et je crois que c'était toi. C'est pourquoi je suis sortie. Non, comment ça peut être moi? En fait, si c'est une histoire, il y a un ami qui a donné à cette dame de l'argent. Hein? Et cette dame s'est mise à crier. Tu vois, moi, en fait, les gens souffrent. Et je t'ai dit. Laisse-moi finir l'histoire que je t'ai racontée là-bas. Tu sais, j'allais finir si je n'étais pas sortie d'ailleurs. Aucun doute. Et il a dit qu'il ne va plus cultiver cette terre. Il l'a laissée pour nous. Oui. Et il ne voulait pas que tu viennes et que tu l'arrêtes avec des soldats. La façon dont les fils d'Élysée avaient fait arrêter Nané Kéné. Si tu voyais comment Nani Kenne faisait, il avait trop peur. Maman, tu vois tous ces hommes âgés, hein? C'est parfois il faut les renseigner de donner la bonne matière. Tu sais, ils utilisent de l'argent à cause de leur âge. Au lieu de vivre dans leur propre village, au lieu de se mettre à jeter la vie, tu sais, c'est pas intéressant, tu sais. Tu as vraiment raison, parce que la façon dont il faisait. Où est-ce que passait cette chose-là? Ça se trouve où? Maman, le rat de brousse, c'est le rat de brousse, maman. Je pensais qu'il n'avait plus de rat ici. Mais maman, j'ai vu un venir très rapidement ici. Jusque-là. Et puis, il est parti là. Et il est parti jusqu'à là. C'est bizarre. Es-tu sûr? D'ailleurs, je pensais qu'on devait trouver un médicament pour essayer de mettre tous ces hommes. Mais regarde un peu cette situation. C'est pas vraiment intéressant. Je vois. Parce que ça fait vraiment longtemps que je le vis ici. Maman, on n'a pas de. Les petits-fils de grand Okeke, Maganazou, les petits-fils de grand Obonazou, les grands garçons de Ntoumabouleni, il n'y a pas assez du temps, il n'y a pas assez du temps. Ne sois pas têtu comme tes ancêtres qui partent à la chasse, perd sa place. Va chercher la prêtresse. Et tu seras guéri. Et Zedibia, tu sais très bien qu'il est impossible pour moi d'aller à ce voyage. Ce voyage est vraiment dangereux. Je ne sais même pas de quelle terre il s'agit. Sans même parler de la prêtresse que tu m'envoies chercher. Écoute, Zedibia, je suis venu ce soir pour que tu puisses me sauver. Et j'ai dit bien, est-ce que tu sais que je suis en train de sentir la pourriture de cette blessure? Il arrive que ça puisse sentir, et ça, je sens ça. S'il te plaît, aide-moi à finir avec ça. Et je te donnerai ce que tu voudras. Les fils des grands Okeke Maganazo, ce que tu me demandes de faire est impossible. Va te guérir toi-même. Pour l'instant, je dois communiquer avec mon chien. Né. Où est-ce que tu vas comme ça? Oui, je vais voir un de mes amis qui est juste à côté, vu qu'il a une promotion. Et en tant que bon ami, je dois aller lui témoigner mon soutien parce que tu sais, mère, il fait rire. Et quoi? Tu aurais dû me dire avant. J'allais te préparer quelque chose.
Hein? Je suis pas un enfant. Hein? D'ailleurs, quand je vais y arriver, il y aura beaucoup à manger. Hein? Et c'est une grande fonction. Hein? Ok, ok. Sois prudent. Oh. Hein? Qu'est-ce que c'est? Maman, regarde, je vais revenir. Quand ça va, ça me va absolument. Et juste dans très peu de temps, tout s'est ramassé. Donc je dois très bien le produire parce que tu vois là où je pèse, c'est pas rien. Et tu vois, je ne peux pas attirer l'attention de tout le monde. Parce que. Alors regarde, Ok, je vois. Fais attention à toi. Oh, bye bye. Alors à plus, maman, j'arrive. Bon après-midi. Chico, maman a mis signe. Non, madame, il est allé à l'étranger pour vous faire. Quoi? Donc, tu veux dire que ton patron n'est pas dans ces pays? Ok, d'accord. J'ai essayé de l'appeler. Il est toujours injoignable. Alors, je m'étais dit de venir. Il t'a dit quand est-ce qu'il va venir? Non, madame. Ok, t'inquiète pas, d'accord. Je vais partir. Allô? Et s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à trouver? Il y a quelqu'un qui est en train de chercher. Elle est un peu la découpe moyenne, elle est une ligne blanche comme ça, avec la taille là. Et puis elle n'a pas tiré sur la tête. Tu as dit qu'elle fait quelle taille? Elle fait un peu la taille. C'est quoi quelque chose? Je pense que je connais la fille. Ok, quand tu prends cette route, ce chemin, oui, tu verras que c'est divisé en deux. Alors, okay, vas-y à gauche. À gauche, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Étranger, tu seras guéri, mais tu dois passer 7 bons jours dans les sanctuaires d'Aguachala sans manger ni boire de l'eau. Tu n'es pas permis de poser tes yeux sur un humain durant le processus du rituel.
Es-tu prêt à te soumettre à cette tâche? Tu t'adressais à moi? Non, non, mais je te demande, de toutes ces choses que tu as énumérées, c'est à moi que tu parlais? Hmm? Non, attends. Non, tu veux que je passe 7 jours ici, dans ton sanctuaire? Pas de nourriture, pas d'eau, sans rincer mes dents, sans prendre bain? Écoute. Prêtre, est-ce que tu es ou quoi que je t'appelle, s'il te plaît? J'ai fait mon rêve calmement. Et tu es apparu de nulle part. Tu m'as dominé dans mon rêve et tu m'as infligé cette douleur. Si tu connais le chemin par lequel tu es entré dans mon rêve, alors tu connais par où sortir et me laisser vivre ma vie calmement. Okobo, c'est cet animal qui fait de bruit avant d'être tué. S'il arrivait que tu meurs comme les herbes mortes, tu te retrouveras dans la bouche de Okoko, monsieur l'inconnu. Je n'ai aucune affaire à foutre avec ces Okoko. Okoko, ou quoi que tu l'appelles, je n'ai rien à foutre avec ces Okoko auxquels tu te réfères. Écoute, je vais être clair avec toi. Tu ne sais même pas combien de clients j'ai perdu juste parce que j'ai besoin de trouver toi pour me sauver de ceci. Ça, c'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Utilise ceci comme tu l'avais utilisé pour m'infliger cette douleur afin que je retourne sur mon ancienne vie. Et je ne veux plus jamais te voir dans mon rêve. Les choses que tu ne connais pas sont plus grandes que toi. Oh, vraiment? Ok, j'y comprends maintenant. Et tu ne veux pas me laisser, d'accord? Ok, c'est bon, je comprends. D'accord, je vais partir rapidement en ville et j'irai rapidement voir la personne qui le fera. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est lui qui osera me guérir, je lui donnerai tout ce qu'il me demandera. Insensé, je vais devoir faire 7 jours. 7 jours pour faire quoi avec toi? Avec tous ces chiens à tes côtés, je vais devoir faire 7 jours ici? Avec un environnement comme celui-ci, je vais faire 7 jours pour chercher quoi avec toi? 7 jours! 7 jours dans cet environnement! En tout cas, tu te trompes! Pendant 7 jours, il doit rester ici. Insensé, hein? Insensé. Vous venez de faire 7 jours dans un environnement comme celui-là. Un grand homme d'affaires comme moi, vous venez de faire 7 jours. 7 jours dans le sanctuaire. Si je suis un agneau, maman, tu comprends, c'est 7 jours. 7 jours, maman. 7 jours, pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. 7 jours. 7 jours. Un grand homme d'affaires comme moi. 7 jours. Un homme comme moi. En tout cas, j'en ai marre. Sans manger ni boire de l'eau. Insensé. Mais en sortant, il m'avait dit qu'il allait voir ses amis d'ici. Et maintenant, il parle que de 7 jours. 7 jours quoi? Qu'est-ce que 7 jours vient faire dedans? Il y a un problème? Non, 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 je ne ferai jamais ces 7 jours. Maman, j'y m'en vais en ville maintenant. Je sais très bien que tu n'as pas beaucoup d'argent, d'accord? Je vais te laisser un peu d'argent. Ou si j'arrive là-bas en ville, je t'enverrai un peu d'argent, c'est-tu comprends? Afam! Afam et Founa! Il était supposé me le dire avant que le voyage. Oui, je ne sais pas ce qui arrive à Afam. Afam a complètement changé. Je ne sais pas ce qui se passe. Avant qu'Afam ne fasse quoi que ce soit, il m'a formé. Mais présentement, il fait genre... c'est comme si mon opinion ne comptait pas. Il a d'ailleurs quitté le pays sans pour autant me tenir au courant. Oh ma chérie, relax. Je pense qu'il doit être occupé, peut-être. Par le travail. Tu connais combien parfois nous sommes distants? Oh ma chère, arrête ça s'il te plaît. Un petit message serait mieux. Oui! Écrire un petit message genre oh chérie, je ne serai pas là pour un moment aller être mieux. Ce n'est pas partir comme si je n'étais rien du tout pour lui. Ce n'est pas bien. Mais relax ma chérie. D'ailleurs, quand tu m'as appelé, j'ai pensé que quelque chose de mal t'est arrivé. Ah, tu dois arrêter de gérer les choses de cette manière. Tu es facilement emporté par les problèmes.
Et à propos de cet homme, l'a-t-il posé des questions sur lui? Il n'est pas au courant d'où il est d'ailleurs. Le pauvre gars était confus lorsque je lui posais autant de questions. C'est bon, calme-toi. Je pense que c'est mieux que tu ailles et les rencontrer et connaître pourquoi les choses sont arrivées de cette manière. Et pourquoi il s'est comporté de cette façon. Je suis juste inquiète. Calme-toi, ma chérie. J'ai peur. Ta femme n'était pas comme ça. Je pense que tout va bien. Ok, relax. J'ai peur. Ta femme a totalement changé. Ok. Quelle bêtise! Comment veut-elle que je passe 7 jours dans cet endroit? 7 jours! 7 beaux jours! Sans eau, sans nourriture, sans connexion internet, sans prendre bain, sans rincer mes dents! Il ne m'a même pas permis de communiquer avec qui que ce soit pendant 7 beaux jours! C'est 24 heures fois 7! Est-ce qu'elle comprenait ce dont elle parlait? Mais tu dois être en bonne santé, ok? Finalement, tu dois être content parce que tu as trouvé cette prêtresse pour ta guérison. Si et seulement si tu savais ce que j'ai pu traverser. Si et seulement si tu savais ce par quoi je suis passé pour finalement trouver ces putains de sanctuaires. J'ai passé par beaucoup de choses. Le chemin était terrifiant. Et il est évident que tu n'as rien compris. Tout ceci, c'est encore pour ton bien. Et n'attends pas le faire quand il sera tard. Mon pote, tu dois être en bonne santé. En effet, descends là et règle la situation une fois pour toutes. L'avais-je invité dans mon rêve? Dis-moi, est-ce que tous ces choses qui sont dévoilées, l'avais-je invité dans mon rêve? Hé, mon pote, désolé. Désolé. Voilà pourquoi tu dois trouver les voies et moyens pour régler cette situation une fois pour toutes. Mais c'est une bêtise. Ce n'est rien d'autre qu'une bêtise. Est-ce que je l'avais invité là, mon rêve? Dis-moi. Ok, qu'est-ce que je fais de mal? Je faisais plaisir à mon rêve, il est apparu. Désolé, mon pote. Ijoma. Maman, c'est quoi le problème? Je ne veux pas manger depuis tout ce temps. C'est quoi le problème? La nourriture n'est pas mon problème. Dis-moi dans ce cas, qu'est-ce qui te dérange? Maman, pourquoi ne pars-tu pas à Ikenga de ma part? Hein, maman? S'il te plaît, non? Ma fille bien-aimée. Approche. Viens. Approche, ma fille, sois patiente. Sois patiente avec Ikenga. Il viendra à toi au bon moment. Je te l'ai déjà dit. Ikenga t'a été fiancé depuis ton enfance. Et ça a été scellé. Sur base de relations que j'ai eu à voir avec ses pauvres parents. Arrête de t'importuner à tout moment. Tu dois profiter de ta nourriture, ma fille. Ikenga n'est pas prêt pour marier une autre personne. Je peux les voir dans ses yeux. Maman, tout ce que je vois, c'est les dégoûts. C'est comme si je les dégoûte. Maman, ne suis-je pas belle, hein? Ma fille, tu es très belle. Tu es plus que même la beauté. Ne te dérange pas trop, Ikenga est à toi, toujours. Ha ha ha.
Qu'est-ce qui se passe-t-il avec toi? Comment es-tu arrivé? Est-ce vrai? Ici, tu seras jeté à la forêt interdite parce que tu es. Je t'ai dit que ce que tu ne connais pas est plus grand que toi. Ah, voilà, il y a un bon moment. Ah, voilà, il y a un motif de tout ça. Hey, miséricorde, puisqu'il n'est qu'un enfant qui ne connaît rien du tout au sujet des esprits, je plaide ta justice et ta miséricorde. Waiko, Biko, sois guéri, Job. Sois guéri. Sois guéri, Job. Biko. S'il te plaît, peux-tu me parler? Dis-moi ce qui se passe, parce que présentement, je suis confuse. Dis-moi ce qui se passe. Ok, il n'est pas dans son bureau. Il ne me dit plus où il va aller. Genre, quitter le pays sans pour autant m'informer. Sa fiancée, ce n'est pas bien. En ces moments, son téléphone est éteint. Comme par exemple, son numéro ne passe pas. Il est injoignable. S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce qui ne va pas, s'il te plaît. Bien. Je suis aussi confus que tu l'es, ok? Je suis au courant de rien. En effet, je suis surpris de son voyage. Oh, s'il te plaît, Cassidy, ne dis pas ça, non? Ne me fais pas ça. Tu es son meilleur ami. Tu es supposé savoir où il se trouve. Dis-moi, où est-il allé? S'il te plaît, dis-le-moi. Parce que je ne suis pas du tout à l'aise. Comme par exemple, j'ai toujours mon téléphone entre mes mains pendant que je dors. Comme ça? S'il te plaît. Écoute, sois calme d'abord, ok? Je vais chercher comment l'atteindre et je vais revenir pour t'en parler, ok? Ok. Céline, ne me dis pas de me calmer. Je ne peux pas, genre... Juste, fais ce que tu peux, s'il te plaît. Prisca, relax. Essuie tes larmes parce que tout ira très bien, ok? Tout ira très bien. Aïe, allô, mon frère, maman me fait mal, mon frère, j'ai mal, mon petit frère, mon frère. Hé, tu es mort, Afam, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Afam, dis à ta maman, Afam, s'il te plaît. Je t'avais demandé à propos de cette plaie, tu m'as dit qu'il n'y avait rien. Mais regarde, non, cela s'empire encore et encore. Qu'est-ce que tu as pu faire, non? Qu'est-ce que tu as pu faire, Afam? Non, calme-toi, Ona, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Nous devons aller voir cette prêtresse, s'il te plaît. Allez-y pour qu'elle trouve une solution pour ce problème, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Allons-y chercher une solution, s'il te plaît, non, allons-y, s'il te plaît. Hago. Hé, pitié, miséricorde. Merde, une étrangère, t'es-tu? Ton fils va rester ici pendant 7 jours. Aucun humain ne peut poser ses yeux sur lui. Je dois réaliser quelques rituels pour le rendre libre de cette malédiction. Rentre à la maison, il te sera retourné dès que possible. S'il vous plaît. Comment puis-je le laisser ici dans cette condition? 7 jours. Je n'arriverai pas à dormir. Prêtre, s'il vous plaît.
Laisse-moi dormir même dans cette forêt, ça ne dérange pas. Tu ne dois pas mettre ta vie en danger. Il y a des animaux dangereux dans toute la brousse. Rentre à la maison. Il te sera revenu après le temps. Pas. Je dois communier avec la déesse. J'étais vraiment stupide en croyant mon fils quand il m'avait dit qu'il était déjà rétabli. Hey, Afam est fou. Afam, pourquoi tu veux rendre ta maman sans enfant? Tu ne vas pas mourir. Tu me reviendras. Na guacha. Mwane chumia. Ekele mdo. Afamefuna. 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 Ton rétablissement et dans ta destinée. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas te perdre. Tu es mon seul fils. Hey. Mon mari, l'état de santé de ton fils. Comment ça me rendrait confuse? Tu m'as laissé pendant beaucoup d'années passées pour faire grandir cet enfant toute seule. Maintenant qu'il compte être sûr et nous donner des enfants, qu'il ne meure pas. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Puisqu'il est déjà là-bas, faites quelque chose. Si quelque chose arrive à cet homme, hey, je suis perdue. Nous allons tous venir là-bas. S'il vous plaît. Toi, sa fiancée. Oui, maman. Sois la bienvenue. Regarde-toi. Tes yeux sont en larmes. Maman, tu parais si stressée et malheureuse. Est-ce à cause de la femme? Qui te l'a dit? Maman, bien sûr que je cherche. Dernièrement, il a voyagé hors du pays sans pour autant m'informer. Ah, mais ne t'inquiète pas, maman. Il reviendra bientôt, ok? Non, maman, arrête de pleurer. Il reviendra bientôt. J'étais venue actuellement te demander où il se trouvait. Mais en te voyant comme ça, j'ai déjà ma réponse. J'ai pensé qu'il avait voyagé. Ah. Mais au moment où je vous parle, Afam est entre la vie et la mort. Ah, ah. Non, maman, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. De quoi parles-tu? Maman, où est mon amour? Maman, où est la femme? Je veux le voir. Je veux voir mon amour. Où il se trouve? Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir jusqu'à ce qu'il te réalise cette chose. Quoi? C'est ce qui me semble difficile à digérer. Maman, maman, je suis confuse. Je ne comprends rien du tout. Explique-moi ce qui se passe. Où est la femme? Où est mon amour? Où est l'amour de ma vie?
Mes salutations, Ikenda, les fils du grand Ezeboué. Je te salue. Merci. Bienvenue, mon ami. Pour ne pas te prendre beaucoup de temps, je t'ai apporté ce cadeau et je te l'ai apporté parce que je sais que tu peux avoir besoin. Ah, merci. Ah, c'est très gentil. Je les reçois. Je t'en prie. Mais de toutes les façons, c'est vraiment le premier fruit de ma récolte. La belle préclin, c'est la Wachala. Et Gibagua Chala Chala Fouzi. Il me serait un grand plaisir cette consommation. Ma première récolte. Je suis reconnaissante, Ikenga. Merci beaucoup. Je t'en prie vraiment. Ikenga, je suis au courant de votre réunion avec les anciens pour le bien-être du peuple de cette communauté. Dide Kedji. Ne vous lassez pas de la vérité, puisque la paix de cette communauté doit être permanente. Bien sûr, bien sûr. Ah, je dois déjà te laisser. Ah, non, non, non. Il y a un dicton qui dit qu'une déité ne rentre pas à la maison, même réduit. mon colo, prends-moi 3 pièces de noix de kula, précisément les Ujogo. Quand tu seras à la maison, dis à Ujoko que tu as visité Ujama et que ses filles sont toujours loyales à eux. Je le ferai, je le ferai. Ajala wana gele gele nu. Que ce que nous mangerons vienne et ce que nous mangerons aille loin, très loin de nous. Kake de mialom, mialom unyedi. Qui faut m'améla et qui faut job à télé. Qui sait? Ah, on est bon, il y a on attend bien au griffe. Ici, que cela nous soit à toi. Ici, qu'ils nous soient tous. Et moi alors, dis-leur de me protéger aussi. Dis-leur de me protéger contre cette prêtresse maléfique. Cette méchante prêtresse. Mais bon, nous voyons alors, à tout l'heure, on nous dit faim. Elle est malin, malin, elle est. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Maintenant, laisse-moi t'avertir. Dans ta vie, n'ose plus jamais m'interrompre quand je communie avec les dieux. Mais qui vont prier pour elle? Qu'est-ce qu'il y a-t-il de si spécial à propos de cette femme? Amakoka, la plus belle femme. Regarde-moi, non? Je suis sûre que je suis bien plus belle qu'elle. J'ai t'en prie. Valorise-moi. Viens voir mes parents. J'ai t'en prie. Mon amour, s'il te plaît. Ne jamais parler du mal. Prêtresse. Sinon, je t'enverrai à l'exil. S'il te plaît, regarde-moi. Regarde-moi, non. Ne suis-je pas une femme complète? S'il te plaît, juste dis-moi oui, s'il te plaît. Combien de fois je te le dirige? Je ne suis pas intéressé. Trouve un autre homme. Je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? S'il te plaît, arrête, Ikenga. Je ne peux pas passer une journée sans pouvoir penser à toi. Je t'aime. Oh, vraiment? Je crois que tu sais par où tu es entré. Et quand tu vas finir de parler, je pense que s'il tu vas t'en laisser. S'il te plaît. Ikenga, s'il te plaît, je t'aime. Ikenga. Ijamaka, je te blâme pour tout ceci. Tu auras de mes nouvelles. Ikenga de
Les grands et King. La prêtresse d'Aguanchala. Tu sais, je suis heureuse de trouver la plante de Ijofa chez toi. Je l'ai cherchée presque dans toute la brousse sans les trouver. Merci. Je t'en prie, tu sais, souvent ces genres de feuilles sont en disparition. Oui. Et alors, j'ai planté certaines qui. Et voilà pourquoi j'ai la facilité de la voir dans la maison. C'est très gentil de ta part. Merci. Je m'en vais maintenant. J'ai beaucoup de gens qui m'attendent au sanctuaire. C'est très bien. Merci. C'est très bien. Je t'en prie. Je t'en prie. Angèle, je ne serai pas de retour jusqu'à ce que je verrai de mes yeux l'amour de ma vie. Je ne reviendrai pas jusqu'à ce que je verrai Afan. Maman ne veut pas me dire ce que je cherche à savoir. Je ne sais pas. Mon cœur est brisé. Sérieusement, je suis en train de pleurer. Ok, alors, je vais arrêter de pleurer. J'arrête de pleurer. Ce serait mieux pour moi que j'arrête. Ok, d'accord, on s'appelle. Oh mon Dieu, la femme, tu es où? Mais, arrête de te tourmenter. Hein? Pourquoi tu veux te faire du mal toi-même? Nemo Guini, qu'est-ce qu'il y a? Hein? La nourriture que je préparais pour toi, tu l'as même pas touchée. Oh Guini, je vis la nourriture que je préparais pour toi, tu l'as même pas mangée. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu veux mourir de faim toi-même? Tu es ici il y a 3 jours, mais tu es toujours dans le stress. Tout ce qui t'arrivera, les gens me prendront comme responsable. S'il te plaît, si vraiment tu aimes mon fils, alors tu dois manger. S'il te plaît, tu dois manger. Tu dois aller à la maison et te rafraîchir. S'il te plaît. Maman, je m'en fous. Je m'en fous d'avoir porté ces vêtements depuis 3 jours maintenant. Maman, si cela veut dire que je veux voir Afa, je veux seulement voir l'homme que j'aime. Je veux voir. Je m'en fous. D'ailleurs, même de la nourriture, je n'ai pas faim, je ne vais pas manger. Parce que je suis sûre d'où Afa se trouve, il n'a pas encore mangé. Je ne veux pas non plus manger. Maman, arrête de pleurer. Je sais comment tu ressens. Je sais comment tu peux te sauver et ton mère. Mais si tu ne pleures pas. Chicken wine. Chicken me. Chicken wine. Nago a chalani. Oje ki na wine. Okula Kalicia, maintenant que je vais commencer ces rituels avec ces têtus étrangers, guéris-le, ainsi il parlera de ta puissance dans sa terre étrangère. Enfant. Le temps est arrivé. Nagwa chala. Ezewa in chala cha. Ezewa in jocha. Ezewa in obioma. Le temps est arrivé pour toi de guérir ton fils. Tu m'as donné la mission de sauver et non de tuer. C'est temps, c'est maintenant. Nyeguachala. Nyeguachala. Anguachala. Nemo. Onyagalagala. Aguagalake. Nemo. Nemo.
Ok, voilà. Ok, voilà. Écoute, voilà. Ce jour est déjà arrivé. Maman, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas. Ils m'ont dit après 7 jours. Si ce n'est pas le cas, il est mort. Eh non, maman, maman, ne dis pas ça. Ne parle pas de la mort. Impossible. Non, 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 non. Mon enfant ne peut pas mourir. Mon enfant ne peut pas mourir. Maman! Maman, il est revenu! Mon enfant est revenu! Bébé! Bébé, je vais bien! Maman! Maman! Maman, qu'est-ce que tu sais si tu vas bien, maman? Maman, maman, hey, maman, je vous remercie, mon Dieu, je vous remercie, mon Dieu, je vous remercie, je vous remercie du fond de mon cœur. Tu as juste voyagé, tu m'as pas dit. Hey. Mon cœur est à l'aise. Je l'avais dit, tu vas revenir. Hey! C'est bon, le plus important est que mon amour est de retour. Oui. Je vais le préparer. Nice. Je pensais que tu n'allais plus revenir. Je suis là. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mon Dieu. Quelle merveilleuse créature. Et pourquoi avait-elle accepté la position d'une déesse dans ce village? Je n'arrivais pas à sortir de ma tête. Mon Dieu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que je n'ai plus à me retenir. Désolé. Grande prêtresse. Et comment tu vas? Bien. Et je voulais j'enlever mes chaussures parce que je devais te dire merci d'avoir sauvé ma vie. Que l'honneur soit rendu à la déesse de Aguachala. Non. Je dois te remercier, toi. Parce que sans toi, il n'y avait aucune déesse qui pouvait résoudre le problème. Voilà pourquoi je dis merci. Voici ce que j'ai pu apporter pour te témoigner ma gratitude. Et juste te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Je vois. Ton offrande est bien reçue et agréée. Merci. J'étais occupée avant que tu ne viennes. Tu peux t'en aller. Ah, non. Ce n'est pas un problème, tu sais. Je ne suis pas vraiment pressée. Je peux toutefois mettre la fin d'attente quand tu vas finir. On va prendre le temps de poser. Tu peux partir.
n'y a plus rien, c'est tout. Ijoma! Ijoma! Maman? Tous les réserves d'eau sont vides. Tu n'as même pas puisé de l'eau depuis longtemps pour la maison. Tous les réserves sont vides. Maman, s'il te plaît, maman. Tu avais déjà parlé de mes comportements à Ikenga. Alors, laisse-moi résoudre mes problèmes, s'il te plaît. Donc, parce que je n'ai pas parlé à Ikenga à ton sujet, c'est pourquoi tu viens nous tuer de soif dans cette maison. Il n'y a même pas une goutte d'eau pour se laver, ni pour la cuisine. Ijoma. Maman, tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ta mère biologique, qui t'ai portée dans mon sein, c'est quelle question stupide comme ça? Maman, s'il te plaît, maman, aide-moi à parler à Ikenga. S'il te plaît, aide-moi à le faire. Je te préviens, je vais me tuer. Oh. Je vais me tuer, maman. Bienvenue dans ma maison, femme de Gonkon, Ofowa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous ne sommes pas là pour t'offenser. Je suis venue te rappeler que ma fille ici, Ijoma, est prête pour toi. Bien, son sein est prêt pour porter du fruit. Bien sûr, tu le sais bien. Que ma fille a été fiancée à toi dès le jour de sa naissance. Sur base de relations que ma famille a eues avec la tienne, ton père, le grand Ezeboubé, l'a scellée en payant sa dot en ton nom alors que tu étais encore enfant. Même mon défunt mari, Onkongo Okonfo, a donné à ton père une terre à Okudara comme son gendre. Et c'est pourquoi je suis venue te demander qu'est-ce qui manque pour que tu viennes récupérer ta femme. Vous pouvez reprendre le terrain que mon père a remis au vôtre et vous retourner aussi à la dot. C'est simple. Je n'aime pas votre fille et nous sommes suffisamment âgés pour prendre une décision. S'il vous plaît. Maman, je pense que tu l'as bien entendu. Tu l'as bien entendu. Maman, tu vois. Sois calme, ma fille. Ma fille t'aime énormément. Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? S'il te plaît. Ne me touche pas. N'ose pas me toucher. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je ferai de toi l'homme le plus heureux de la planète. S'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Écoute-moi attentivement, femme de moi. Comme je l'ai dit tantôt, je ne veux pas me marier. En fait, je ne veux pas me marier. C'est simple. Trouve à ta fille et mariée. Et puis, elle se mariera. Elle est très jolie. C'est à cause de cette prêtresse maléfique, n'est-ce pas? Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ferme-la. Mais tu en es. Fais gaffe. Ne parle pas mal de la prêtresse avant que tu n'en subisses les conséquences. Mon fils, je t'en prie, pardonne-lui. Elle ne maîtrise rien de notre culture. Je t'en prie, pardonne-lui. Je peux lui pardonner juste à cause de vous. Reviens ici, reviens ici. Reviens, toi. Et Wawa, ose encore faire un pas. D'où tu es, Ijoma, tu verras. Bien, c'était quoi cet embarrassement? As-tu perdu des sens? Maman, Ikenga a besoin de quelqu'un pour lui apprendre les manières. Tu crois que la bonne manière de le faire serait de parler en mal de la prêtresse? Maman, je suis sûre et certaine que Ikenga a une affaire avec Ijamaka, cette voleuse de mari-là. Tame Chon, tu continues de parler, laisse-moi t'avertir. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu vas les regretter toute la vie. Je ne fais que me battre pour ce qui me revient des droits. C'est ce que je fais. Un enfant qui n'écoute pas les conseils de ses parents regrette ses actions après. Je crois avoir fait mon point.
Tu es un homme, c'est dénoncé sur ton visage. Sois son effort, sois un enfant. Arrête de dire ce que tu ressens. Sois fort, sois fort, sois fort, sois fort. Et ça, mes prêtres, comment tu vas? En quoi puis-je t'aider, étranger? Je m'appelle Afan, Afan Fouma. Tu peux m'appeler Afan. Dis-moi pourquoi tu es là. Je n'ai pas de temps pour toi. On dit que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la présence de la peur marque l'absence de la volonté d'avancer. Dieu, je veux juste te dire que tu es très gentil. Oui, je veux te l'avouer pour que tu comprennes que je suis intéressé par toi. Je voudrais t'amener à vivre une très bonne vie. Te montrer toutes ces très bonnes choses qui sont à ton attente. Et pour vous autres, vous pouvez faire quelque chose de mieux à la vie au lieu de rester ici dans la brousse. Prêtresse, accorde-moi cette chance de t'aimer un peu plus. Je voudrais t'épouser. Mon cœur m'appartient. Comment oses-tu parler en mal de ma tradition? J'ai comme une erreur, je suis désolé. Une mouche te tue. Finis sa course sous la tombe. Sois prévenu, toi, étranger. Sois averti, étranger. Je veux dire qu'il n'y a rien de mal à dire ce que je ressens, tu sais. Presque, est-ce que quand je veux... Va-t'en, avant que je ne t'étrangle à mort. Va-t'en. Disparais. La grande prêtresse d'Aguachala. Ma prêtresse, tu parais très en colère et vraiment dérangé. Quel est le problème? Il y a quelque chose qui te dérange? Parle-moi. L'étranger que j'ai eu à guérir me fait la cour. Et il m'a touché. L'étranger que tu as aidé te fait la cour. Et il ose te toucher. J'ai parié de soi sur ce chemin de retour. Alors je m'en vais les détruire pour une bonne fois. Non, Ginga, tu ne le feras pas. Tu ne peux pas les tuer. Et je ne peux pas non plus mettre et les voir te foutre dans une telle situation. Essuyer également notre terre. Non! Ne te dérange pas. Je vais en finir avec lui à ma manière. Il doit comptabiliser les jours d'aujourd'hui parmi ses jours les plus chanceux. À la prochaine, il en paiera. Prie. Je dois aller communier avec les dieux. Tu m'as menti. Tu te trompes. Tu me rends la vie dure. Hein? Oui, tu me rends la vie dure. Es-tu normal? Je suis en train de te distraire. Oh, pas de problème. Je veux une explication ici et maintenant. Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? C'est le téléphone qui choisit qui répondre et à qui ne pas répondre. Mais ça, notre sale mémoire. Oh, vraiment? Afam, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est moi qui te demande qu'est-ce qui se passe? Quoi? Écoute, j'étais très heureux avant que tu viennes dans cette maison. Si tu ne veux pas me donner la même peine que j'avais avant que tu viennes, reste ici et regarde la télévision ou tu vas chez toi. Excuse-moi. Quoi?
vraiment, Afam? Tu me demandes indirectement de sortir de ta maison. Afam, tu te trompes. Je suis venue pour rester. Et personne ne me mettra. Afam, je suis ici pour rester. Qu'est-ce que je peux faire à Afam? Je ne me rappelle pas avoir fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui signifie tout ceci? Pourquoi il a pu me faire ça? Afam doit me dire ce que j'ai fait. Allô? Ah, prends l'appel. Allô, bébé? Mon roi? Bébé, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi non, qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Il a coupé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Afam a coupé l'appel. Écoute, et ce que les gens vont dire n'a rien à voir avec moi. Et je pense que ce qui compte pour moi maintenant, c'est que je ressens. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Tu es vraiment amusant, mon cher. Très amusant. Je veux dire. Comment est-ce que quelqu'un qui peut être fier parce qu'il est amoureux d'une prêtresse? Hein? C'est sûrement une malédiction. Tu parles vraiment comme ma maman. Pour être franc avec toi, tu parles vraiment comme ma maman. En fait, mais comment tu peux croire que je suis sous une malédiction? Laisse-moi te dire, mec, personne ne peut me jeter en mauvais sort. Mais tu sais qu'il est très important de ce que je veux dire, ce qu'on peut aimer et apprécier. C'est très différent. Maintenant, dis-moi donc, comment tu trouves ta fiancée? C'est une très bonne personne, je l'apprécie. Elle s'accroche, hein? Mais elle est vraiment une envoyeuse spéciale. Mais la vérité, c'est que le plus tôt je résolverai un souci, c'est le mieux. Je n'y arrive toujours pas. Mais tu lui avais demandé sa main. Également, j'ai vu toute la vidéo et j'étais aussi content. Oui, bien sûr. Tu sais, bon, je n'ai pas le fait que j'ai appelé mon père. Mais je l'avais juste fait parce que sa maman m'avait demandé de vivre avec une de ses filles. Et aussi, ce que j'ai fait, c'était juste pour plaire à ma maman. Alors, s'il te plaît, mec, prends en compte mes sentiments. Afamé Mfuna, vas-y, doucement. C'est tout ce que je peux te dire. Je suis un adulte, mec. Je vais très facilement gérer les problèmes, d'accord? D'accord, mec. Mais de toutes les façons, toi et moi, ça va être parce que je suis très bonne personne. Si tu veux la prendre, je t'assure que tu peux avancer. Je te remercie. Oh, pardon. Oh non, je ne peux pas recevoir ceci. Je ne peux pas recevoir ceci. Parle-moi. Angèle, regarde-moi. Je t'ai tout dit à travers le téléphone, n'est-ce pas? C'est exactement ce par quoi je suis en train de passer. Je ne sais pas ce que j'ai fait, oh. Personnellement, je n'ai rien fait. Alors, ma, es-tu vraiment sûre de tout ce que tu dis? Je te le dis. Es-tu vraiment sûre? Ce n'est pas possible. Ma chère, tu sais que je ne peux pas faire ça. Donc, cela veut dire qu'il te trompe? Sérieusement, je n'ai pas expliqué. Ah, mon ami, vraiment, après cette souffrance que tu as endurée avec lui. Ah. Mais c'est ça, et tu sais que les femmes n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Tu le sais. Il a juste changé, comme il m'ignore comme si on ne s'est jamais connu. Il ne veut même plus m'attendre parler et il ne fait que mentir comme si je ne suis pas, comme si je ne fais rien c'est du bon. Tout. Je suis confuse, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord, ça va aller. Je vais parler avec lui, je vais le gronder, crois-moi. Ma chérie, juste calme-toi. Présentement, ce n'est pas nécessaire de parler à Afam. Non, je dois les faire. Tu ne peux pas parler à Afam parce que je pense qu'il est malade. Oui, tu vas lui parler peut-être prochainement. Alors, s'il te plaît, ne parle pas à Afam. Laisse-le. Je pense même que je vais venir. C'est bon, ça va aller. Mon ami, viens. Je veux juste qu'Afam arrête tout ceci. Il est en train de m'affecter émotionnellement. Ikenga.